Hello petit penteur et penteureuse, comment ça va bien? Moi ça va très bien, regarde, je suis où? À la montagne. Pourquoi? Alors parce que l'Occitanie, c'est une des plus grandes régions de France, une des plus belles, j'en ai déjà parlé, mais c'est surtout que l'Occitanie, c'est la campagne, c'est la montagne, comme ici, et c'est aussi la mer. Et dans cet épisode spécial en peinture Simone, nous parle-t-on en Occitanie de la mer. Donc ici nous descendons vers la côte, en direction de Narbonne, pour aller voir Pascal. Pascal Le, elle a refait toute la déco de sa maison depuis quelques années quand même, depuis. Oui, elle me suit depuis quelques années aussi, oui c'est vrai. Et la particularité de Pascal, c'est qu'elle a l'intention de faire une reconversion pour devenir peintre. C'est cool. Puis nous irons voir une autre fille, une autre petite peintereuse qui s'appelle Christine du côté de Sète, à côté Frontignan, à côté de l'étang de Thau. Ah Bouzigue, mon amour, ma belle. La perle de la Méditerranée. Ouais. Christine a transformé un appartement de quartier en plein cœur de Frontignan en superbe petit appartement de quartier en plein cœur de Frontignan. Enfin, elle a vachement bossé, elle. Et vous verrez ainsi que le blanc, c'est vachement pratique pour éclaircir un appartement. Mais qu'en plus, le blanc, ça marche très bien avec les huîtres. Nous continuerons notre voyage un peu plus vers l'est, pas très loin de Montpellier, au-dessus du côté de Lunel, pour voir Michael et sa femme et sa fille, dont j'ai oublié le prénom. On va l'appeler Joséphine. Alors eux, ils ont décidé de tout péter à l'intérieur et refaire les cloisons à leurs envies. Ils ont aussi opté pour de la peinture de GSB. Et nous verrons la limite, les limites des peintures de GSB justement, en observant le travail qu'ils ont effectué. Ensuite, nous irons voir le plus ancien abonné de la chaîne. J'ai nommé Tofu, qui était en vacances dans le coin. Enfin, qui était en vacances. Oui, dans le coin, il sait pas trop où il est en fait. Et commençons cet épisode en allant voir mon copain Fabien. Fabien fait partie des youtubeurs copains que j'ai. Et j'en ai pas beaucoup. Dieu sait que j'en ai pas beaucoup. Faut peut-être que je me remette en question. Je suis peut-être trop con en fait. Ouais. Ou peut-être que YouTube... reviens par ici. Peut-être que YouTube est un ramassis de merde. C'est possible aussi. Alors lui, Fabien, il habite en plein milieu des bois. Ouais. Dans une contrée éloignée, très éloignée de tout, de la route, de la mer, de la montagne, de vraiment très loin de tout en fait. Allez, j'ai trop parlé. En peinture Simone. Les artisans boivent avant de faire des chantiers. C'est connu. T'assures rien, toi, de toute façon. Ah, faut que je me mette comme ça. Voilà, monte, okay. C'est pas juste un montage. Je vous présente Fabien. C'est ça? Petit peu moins. Non, mais je le couperai. Tu vois, je me rappelle de ça. C'est vrai? Oui. Bah oui, parce que en fait, j'avais un copain à l'armée qui s'appelait comme toi. Ah oui. Ouais. Bon, ah ouais, bref, on fait l'armée, ça. D'un coup, ça te met un coup de vieux. Ça. Je fais tout ce qu'on peut faire soi-même. C'est en faisant qu'on fait. C'est ça. Si vous me voyez faire un truc, vous allez pouvoir le faire aussi. Marre de se faire arnaquer par des peintres et tout ça. Regarde la couleur des bleus. Ouais. C'est abusé. C'est beau ça. Oui, c'est beau, mais c'est abusé. Regarde, en vérité, c'est ça pas bleu comme ça. C'est vraiment mode HDR quoi. Nous, on fait pas trop moche d'ici. Toi, tu fais bébé. Oh, on dirait un bébé. Bah, tu veux me mettre dans la poussette. On dirait que je suis ton grand-père. Mets-moi dans la poussette là. Et ça fait longtemps que je te connais en fait, mais c'est la première fois qu'on se voit. Ça fait super plaisir. En même temps, ça fait pas trop bizarre parce qu'on... Ouais, bah ouais, à force de regarder nos tronches, ouais, c'est clair. Ouais. Peut-être que je suis un peu plus gros que... Non, tu le trouves comment, Docteur Peinture, en vrai? Ouais, fidèle à ce qu'on voit. Hein. Tiens, j'ai une question, c'est ton domaine. Je pars en vacances. Quelles sont les petites choses à regarder sur sa voiture avant de partir en vacances? C'est intéressant, ça. Ouais, c'est intéressant. Pression des pneus. Ouais. Pression des pneus, on doit être à combien à peu près, on sait, ah, ou ça pas dépend, ça dépend des véhicules. Sur le véhicule, ah oui, c'est vrai. De ta porte, ah oui, c'est vrai. Dans le manuel. D'accord. Bon, vaut mieux un peu surgonflé que sous-gonflé. Ah oui. Pression des pneus, niveau du liquide de refroidissement. Ah oui. Ah oui, non, mais je sais même pas où c'est. Je sais même pas où c'est sur la voiture. Là, ouvre ton capot, je suis mon vite fait, comme ça tu sauras. Ah, vas-y, tu vas me faire voir. Attends, je sais même pas où elle s'ouvre. Ah, le tuto, comme
Je crois que c'est ça. C'est pour ça que tu vois, moi je me moque jamais de personne, je me dis jamais c'est trop simple. Ah. T'as beaucoup de gens qui disent ouais, pourquoi tu fais une vidéo comme ça, c'est trop simple. Tout le monde, non, tout le monde ne sait pas. Non, tout le monde ne sait pas. C'est pas ton domaine. Bon, ben là, apparemment, tu vois, c'est. Alors, le crochet. Je vais rouler le capot ouvert. T'as vu ça ? Eh, beau moteur, hein, t'es. Franchement. C'est un multi-jet. Franchement, ça déconne pas. Oh putain, elle est un peu crado. Bon, déjà, donc liquide de refroidissement, ouais. Tu n'ouvres jamais quand c'est chaud. Quand c'est chaud. Hein. Donc il est là. Ouais. Donc tu regardes ton niveau. Il est là, bon, il est bien. Tu vois, à chaud, il est au max. À froid, il sera un petit peu plus bas. Ça. Ah ouais, mais tu bon, regardes bon, que bon. Tu sois entre les deux. Mmh. Niveau de liquide de frein, tu le contrôles aussi. Mais normalement, il faut bon, mais tu le contrôles. L'huile, ça tu. Liquide de direction assistée, je pense. Le niveau d'huile, il est là. Ouais, ça tu le regardes aussi. Tu le regardes aussi. Si tu fais en sorte que tous tes niveaux tous les niveaux, ouais, c'est tout. Comme ça, déjà, ça t'évite des mauvaises surprises c'est ça. Bêtes, quoi. Mmh. Les phares, bien sûr, tes ampoules sont soient pas veillées. Surtout si... La glace, parce que tu vas te taper les moustiques et compagnie. Ouais. Ok, mais je te remercie, Fabien. Celui-là, il était livré avec le terrain, on va dire. Ah oui, d'accord. En fait, ouais, mais il tombe plus, là. Naze, mais l'intérieur, il est nickel. Donc, super chambre d'amis. Ah bon? Ouais, ouais. Voyons, on peut pas rentrer. Tu peux ouvrir. Ah merde, donc du coup tu vas rien faire quoi. Pour l'instant. Bah, si je le garde comme chambre d'amis parce que quand il y a du monde. Ah, il y a même une baignoire. Ah ouais, la vache, putain, ça a été retapé. Enfin... Installé à la baignoire, t'as vu, on est pas bien. Ah putain, t'es bien. C'est pour la maison. Mais... Putain, ça vaudrait le coup de retaper ce machin. C'est hors de ma portée. Ah ouais, merde. Non, franchement, regarde. Il y a de la rouille partout quoi. Regarde ça. Oh là, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Tu vas te blesser là, attends. Ah oui, ça sent le. Ça, ah, c'est vintage, hein, t'as vu? Ah, ouais, putain! C'est génial, on a l'impression de. Ça n'a rien changé. Ton panneau solaire. Là, il y a le petit contrôleur. Alors... C'est, elle est vieille, cette vidéo? Ouais, c'est une des premières vidéos que j'ai vues de toi. Voilà, il y a la batterie. Je me suis dit, oula, lui, c'est bon. Ça fonctionne encore? Ah, ouais, tout marche. Là, j'ai le petit onduleur que j'avais installé. Et du coup, là, t'as l'électricité juste. C'est ah, là, ouais. C'est juste avec le solaire hein, que ça marche. Ah, ouais, c'est génial. Oh, dis donc, c'est quoi ça? C'est bien. Ah mais carrément, t'as le petit potager. Bah ouais, tu laisses un peu la nature faire. Bah voilà, ça part dans tous les sens. Hein. Ah ouais, c'est... Hey. Il y a bien des tomates qui poussent au milieu de la... Ouais, bah, toi, ça c'est un pied de tomates. Il pleut beaucoup ici, j'avais l'impression que non. Ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas plu. Ah, c'est ça. Ah, moi, tout ce que t'as en bas là, oh là là. Ah, formidable. Et ouais, là-haut, ça doit être le bordel. Hein. En tout cas, moi, il va falloir que je reprenne la route. Ça m'a fait super plaisir de te voir, Fabien. Moi aussi. Pour de vrai. Hein et en fait... Mais t'es pas si loin, là. Putain, une heure et demie quand même. Oh, ça va. Et le mec, il va faire le tour de France hein, et ça lui fait peur. Non, c'est pas ça. C'est que là, tu vois, il est déjà 4h30. Et ça fait une demi-heure, tu dois être à Narbonne. Une heure d'ici, Narbonne. Je crois, ouais. Oh, je suis pas à l'heure. Le mec, il a fait son planning. Attends, un sacré bordel. Il va falloir que tu nettoies tout ça pour la prochaine fois quand je vais passer. Ça va, c'est derrière le garage, c'est quand même caché. C'est vrai. Et en plus, t'as foutu tout le bordel vraiment en tas. Regroupé. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Je peux te faire un petit bisou. Tu peux. Fais gaffe, ça fait velcro les barres. En fait, c'est une connerie, hein, c'est mon petit frère. Vous ne saviez pas. Dis-leur. Mais oui, c'était voilà. Fou. C'était fou. Je l'ai toujours appelé comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, je l'appelle Fabit. Parce que quand on était petit, on se faisait un chabit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Tu leur dis au revoir, mes petits japonais. Au revoir, les petits painters. C'est comme ça que vous appelez. Et painteruses, c'est ça. Et painteruses. Faut pas les oublier parce que sinon, elles nous font un flan. Et la femme qui fait un flan, c'est mieux à la cuisine que. Allez, merci en tout cas de m'avoir invité, on va dire. C'était un plaisir. Voilà. Et à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Oh, ciao, ciao. Hello, petit painters. Hello, Pascal. Salut, Stéphane. Ça fait plaisir de te voir, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Ouais, regarde, il y a ton mari qui s'incruste là. Oh. Hey, man. Ah, il est tout content, voilà, ça y est, il est filmé. Il y a ton fils aussi qui nous accueille. Oui. Romain, c'est ça? Ouais. Voilà, je m'appelle Pascal et j'habite à Narbonne. Oh, et je suis fan de Docteur Peinture. Voilà. Faut pas le dire devant ton mari. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 10 ans qu'on y habite, mais ça fait 4 ans que j'ai repeint la maison. Il y avait du crépi non peint partout. Et elle est de quelle année, tu sais? D'année 2000. Fallait ouais. Juste enlever le crépi, c'est tout. Ouais, d'accord. Oui, mais le crépi, c'est chiant. T'as fait comment, là? Du ratissage, t'as fait quoi? Avec mon petit muscle, là. Et ma petite, mon petit couteau. Là, alors, vas-y, viens. Moi, je te suis. Hein, je connais pas. Je n'ai jamais mis les pieds ici. Hein, tu confirmes? Ouais, ferme la porte et le placard, s'il te plaît. Il y a rien compris, Romain. Hein. Alors, la cuisine était toute blanche. Il va falloir que tu grandisses un peu, Romain. La cuisine était toute blanche. J'ai juste mis le bandeau orange.
Et les plafonds, tu les as fait aussi? J'ai peint, c'est... oui, mais c'était propre, mais j'ai peint, oui. Est-ce qu'on peut citer la marque de la peinture que tu as utilisée, si tu te rappelles? Hydrovelours de... J'ai Seigneurie Gautier. Oui, Seigneurie Gautier. Vous êtes nombreux à l'avoir publicité, celle-là. Hein, les portes, tout ça, c'est toi aussi? Oui, alors c'est la seule qui est, on va dire... Qui est bien faite? Non. T'as un problème? Non plus. Non, alors on va passer au couloir. Ah. J'ai refait tout le couloir. Qui était avec Crépy aussi. Le couloir de la cage d'escalier? Cage d'escalier. Ah, mais tu t'es équipé alors un petit peu quand même parce que... Il y a un mari qui m'a mis des parpaings avec... Ah oui, il y a quand même de la hauteur là. Donc là aussi c'était du crépy, tu m'as dit, je vais pas... Oui, c'était du crépy, oui, oui. Donc là, il a fallu tout gratter. Tout, j'ai gratté. Tiens, regarde, je te montre. Tout était comme là. La gouttelette, voilà. Ouais, la saloperie de gouttelette. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour la décoration? Pour la cuisine et les chambres des enfants, c'est une personne de chez Linsalo qui est venue. D'accord. Et qui m'a aidé, voilà. Ah d'accord, oui, t'as fait venir quand même quelqu'un pour... Voilà. Pour la cuisine et les chambres des enfants. Merci, ouais. Le voisin nous avait prêté un échafaudage. Ouais. Et puis on a fait avec une échelle et puis voilà. Voilà ce que j'ai fait en premier. D'accord, ça c'est ta chambre. Voilà, j'avais envie d'un poster. Je pense que c'est la même chose que ce que tu as fait dans ton garage. Et comme je savais pas quelle couleur mettre, elle est blanche. Et... Ça c'est toi? C'est moi. Ah, tu fais de l'art abstrait. Oui, donc le pépé qui est en bas là, il a rien fait du tout. Ah non, c'est moi qui ai tout fait. Ah ouais, dingue. Non, c'est très joli, j'aime bien. Les plafonds sont super beaux. Alors, franchement, je suis presque impressionné, hein, je vais te dire. Il y a des peintres pros, ils savent pas faire. Je sais. Madame se la pète, je sais pas, vous avez attendu, elle a dit je sais. Allons voir la chambre d'amis. C'est là où on va dormir normalement, ça sera. Très sympa ce petit. Dis donc, on se croirait chez les ch'tis là. Ouais. C'est un papier peint aussi ou c'est un poster? Papier peint. Ah, celui-là, tu vois, eh ben, on voit quasiment pas de défaut. Si, il y en a. Il y en a, mais bon, je veux pas être méchant, mais... Après, ma salle d'exposition. Oui. Deuxième chambre. Tu as aimé le papier, hein. T'en as mis un peu partout. Ah oui, c'est génial. C'est le fait de le faire qui me plaît. Oui, mais et là, tu vas pas t'ennuyer maintenant que t'as tout fait? Je vais recommencer. Ah oui, tu vas recommencer. Ah, tu vas recommencer. Pardon, je passe devant, je suis mal posé. Putain, j'ai perdu ma femme. J'adore peindre, donc c'est la peinture qui me plaît. Je pense tout ça, j'en ai partout, mais je m'en fiche, en fait, je me régale. La préparation, ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Il y a bien un truc quand même que t'aimes moins faire. Bah, en fait, c'est le résultat que j'aime. Ça me dit pas ce que t'aimes moins faire. Moins faire? Rien, t'aimes tout. Passer le rouleau, les plafonds, tu les as fait au rouleau? Ouais, avec le passer la perche et tout, ça te fait pas peur non plus? Non. Et pourquoi t'en as pas fait ton métier? Eh bien parce que je veux le faire, mon métier. Tu en... D'accord. C'est pour ça qu'il faut que je te voie pour en parler. D'accord, bah on va en parler un peu après. Voilà. D'accord. Bah c'est très bien ça. Ouais, il y a juste deux petits trucs qui me font peur, mais sinon... Bah là, tu t'es sacrément bien entraîné maintenant. En fait, tu dis tout dans tes vidéos. Donc, tu disais à un moment donné que tu te pelais l'hiver. C'est froid, mais c'est vrai, il fait froid sur les chantiers. Que quand il fallait monter des sauts de 25 kg, ben, je me sens moyen, quoi. Et après, ce qui me plaît, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté déco avec, mais faire du blanc pour du blanc. Alors, comment il est le doc en vrai, maintenant que tu le connais? Il est super sympa, mais il était déjà super sympa sur ses vidéos. Ouais, tu me fais rire, en fait. Non, je te trouve très pédagogue. Il explique super bien. Et il y a toujours la petite pointe d'humour qui fait que c'est rigolo. Voilà, il y a toujours un truc et... Ça passe mieux. Ça passe mieux et c'est rigolo. Et moi, ça me fait rire. En tout cas, merci Pascal de nous avoir accueillis avec ton cher époux. J'espère que tu continueras à regarder mes vidéos alors. Bah oui, toujours, toujours. Pour que je fasse des sous. Hein. Tu sais bien que j'ai besoin d'aller en vacances à Gruissant là, bientôt. Merci à toi et à bientôt. Ciao. Pour deux... Prochaines aventures. C'est presque ça. Et mais les gens, ils disent qu'ils aiment bien, mais en fait, ils savent plus. Hein. Ouais, bon, allez, c'est presque ça. Allez, merci. Dis donc, Christine, il y a un poil pubien là, mais c'est pas le mien. Hello, Body Painter et Painterose. Hello, Christine. Salut, hello. J'ai une petite tête parce qu'en fait, j'étais censé arriver hier et puis en fait, il y a un contretemps. Christine, je viens de reprendre un appartement, voilà. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé les vidéos. Je l'ai pris en janvier, mais j'habite depuis mai. Comment ça s'appelle? La panthère. Du luxe, Valentine. Quel métier tu fais? Ah, je suis agent immobilier depuis un an. Avant, j'étais commercial chez Métro. Tu sais nous raconter des conneries? Non, pas du tout. Et on va visiter. Allez, on va visiter. Donc là, on est dans l'entrée. Donc là, t'as refait tout alors. C'était comment ici avant? C'était tout pourri. Les fenêtres ont été refaites. Il n'était pas habité depuis 15 ans en fait. D'accord. Là, il y avait une vieille cuisine avec. J'ai cassé parce que c'était monté sur parpaing.
avec un vieil évier tout en céramique et tout ça. Donc j'ai tout cassé, le carrelage. Namasté. Namasté. Bienvenue. Ouais, mais moi, tu sais, je parle pas paysan. Quand je vois que tu nous as acheté des petits gâteaux, tu t'es pas foutu du cul quand même, franchement. Non, alors, je vais te dire, normalement, c'était apéro, j'avais acheté des huîtres. Non. J'avais... Bah oui, je sais que t'appelais huîtres. Ah, mais fallait pas dire ça. J'avais acheté du bon vin blanc de Frontignan. Oh là là, je suis désolé. Je suis tellement navré. T'es pas arrivé hier soir. Hein? On revient ce soir. Il reste des huîtres, Ici on a Metz à côté, on a. C'est Bouzig, hein. C'est Bouzig, Bouzig. Alors celui-là, il était tout poreux, le pire, bon. Et du coup, j'avais acheté chez toi le bloc mur, là, le. Comment ça s'appelle? Un durcisseur. Un durcisseur. Ah d'accord, ok. Ouais. Ah je savais pas, t'étais en plus cliente de ma boutique. Oui, cliente. Donc j'avais pris le durcisseur parce que j'avais vu une vidéo et je dis, ah putain, c'est ça qu'il me faut. Et alors, tu t'en es. Eh ben nickel, ouais. Donc ouais, par contre, on m'avait dit plaque, et j'ai voulu faire j'ai fait l'enduit toute seule. Mais par contre, à l'enduit, c'est propre. Alors en plus, celui-là, c'était le pire. Hein. Ah oui, en plus. C'était le plus abîmé. Par contre, c'est hyper lumineux. Là, on est éclairé, on est traversant, ouais. Parce que comme on est dans les gens le voient pas, mais dans le quartier, c'est des maisons. Doit être par là, ouais, c'est maison de village. Ouais, hein. Mais très très réduite. Les rues sont très petites, donc en fait, du coup, il y a des vacanciers ici à Frontignan. Ici, quand même, mais là, plus. Là, ils ont commencé les vendanges. Ouais. Qui se dépêche. C'est ça. Bah là après c'est mon côté travaux, tu as vu. Ah oui d'accord, oui, t'as ta petite étagère. Ouais bon après ça disparaîtra ça. Oui parce qu'il me reste la salle de bain que j'ai pas fait. Et alors le sol, c'est toi qui as fait aussi oui. Le sol. Ouais. C'est très ouais. Grand. Tu t'es fait un petit coin bureau. Je me suis fait bureau dressing parce que ouais elle fait 6 mètres carrés puis du coup ça me fait une chambre. Là donc tout ça c'est toi qui as fait hein. Tout. C'est très très propre hein. Bof. Bon un petit joint acrylique. Mais là c'est pareil quoi, tout était pourri. Ouais. Il y avait quoi sur les murs, de la peinture ou... Une peinture, mais ils avaient remis une peinture pour le vendre à la va-vite, il y en avait partout. C'est quoi que t'as trouvé pénible à faire le plus dans ce que t'as fait? Ponçage. Ah ouais, c'était plus dur physiquement, on va dire. Il y a quand même un truc que t'as apprécié. Ah j'ai adoré enduire. Ah ça a été mon truc. Ah oui. Ah ça m'a plu ça, enduire, lisser. Peindre les plafonds, tout ça. Ça a été. Alors j'ai fait venir les copines. Hein. Ah. Au début, je regardais tous les soirs, parce que je me dis qu'est-ce que je fais, je me lance ou je me lance pas quoi. Même ma fille est venue m'aider, elle était aussi, elle travaillait pas avec le Covid, donc c'est bien, elle est venue faire un peu le parquet avec moi. Ah oui, alors le parquet, tu l'as acheté où? Casto. T'as galéré? Non. Ça va. Bon, j'ai pas tout fini, hein. Il manque encore les petits coins, tu vois. Oui, je vois, ouais. Il y a tout par terre, les petites merdes, tu sais, qu'il faut faire. Ben, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les finitions. Hein. Tu l'as fait en plusieurs fois, là? Comment t'as fait pour t'organiser, pour t'y habiter quand t'as fait le sol? Non. Ah oui, il y avait aucun meuble. Voilà. Ouais, c'est pour pratique, ça que je suis rentrée qu'après, j'habitais pas, ouais. Ben, au début, je voulais rentrer, tout le monde m'a dit, t'es folle, tu vas galérer. Parce que je me dis, c'est pas grave, je ferai pique-nique d'un côté de l'autre, mais. Donc, j'ai fait les murs et le sol avant d'y rentrer. Ouais, je vois que t'as quand même t'as déjà travaillé dessus. Je voulais tout faire et puis j'ai pas le temps. J'ai dit la salle de bain, on va voir plus tard. Ouais, c'est clair. Tu vas péter tout, tu vas peut-être changer. Si, je vais péter tout. Je veux faire en 6 pots avec du béton ciré en fait. Le plafond est bon, mis à part la fissure. T'as vu, je suis dingue. Espèce de velours satiné là au plafond. Hein. Ouais, je crois. Ouais, tu sais pas. Ouais, et ben écoute, c'est super joli. Oh bah c'est gentil parce que. Merci de nous avoir invités pour cette émission en peinture Simone. J'ai même pas vu la camionnette. Hein. Bah non, mais je vous raccompagnerai. Je me fais klaxonner. Tiens, hier soir encore, il y a quelqu'un, j'étais en train de me garer dans la rue de mon hôtel. Le mec, il est venu me voir. Ah, salut docteur peinture, j'adore ce que vous faites. Enfin, bien sûr, il m'a léché les couilles, comme tout le monde. Et c'est agréable. C'est agréable, ouais, plaisir. Juste avant d'aller au lit, c'est plutôt bien. Et comment tu le trouves alors, docteur peinture? Sympa, ouais. Au début, j'ai regardé pour faire les travaux et après, je regardais parce que tu me faisais rire. Et maintenant que tu le connais en vrai, je veux dire. Ouais, toi, mais le même. Le même. Le même, exactement le même. Je survoue pas, là. Non. Bon, je te remercie beaucoup, Christine. Mais de rien. On va manger les petits gâteaux, on va reprendre la route. Ouais, petits gâteaux. Dommage, elle nous avait préparé des huîtres. Oui. Merde, j'ai le dégoût, là. Je les ai au frigo. Bon, ouais, on va pas manger les huîtres le matin, je suis pas bohémien à ce moment-là. Je te dis à bientôt pour... De prochaines vidéos. Voilà. Aventure, ouais. Aventure, merde. Il y a longtemps que je t'ai pas regardé, te rends compte? Ouais, mais c'est ça. Mais un peu abandonné. Tu tiens le bambou, là. Ouais, plus que la salle de bain et voilà. Les petites finitions, là. Eh ben, merci pour ta gentillesse, et à bientôt. À bientôt. La grosse blague. Là, il y a un ancien abonné Tofu qui se reconnaîtra, qui me contacte, qui me dit oh putain, je suis dans le coin, je suis à Sainte-Marie-de-la-Mer. Ouais, bah génial, comme je passe à côté, je me dis je vais aller le voir. Je prends rendez-vous, je viens à Sainte-Marie-de-la-Mer, et en fait, moi je suis là, et lui il est là. La bonne blague.
moi c'est Michael. J'ai fait ça de mes mains avec ma femme. Je suis chef de chantier dans la fibre optique. Là, t'es à 67 mètres carrés au total. Et... Casto, Good Home. Qu'est-ce que t'en as pensé? Regarde les plafonds. Les murs aussi, c'est une catastrophe ou quoi? Ben ouais, je trouve, ouais. T'avais bien préparé tout ton support? Ah ouais, j'ai tout ratissé. Ah oui, petite marque. À part le plafond, que le plafond, j'ai fait juste les bandes à joints et... Mais 4 couches de peinture au total avec l'après, quand même. Et du coup, je sais pas si c'est la qualité de la peinture, si c'est nous, si c'est qu'il fait trop chaud. Le rouleau, t'avais utilisé quoi? Du 10. Ouais, c'est ça, c'est trop court. Trop court? Ouais, du 12, ça aurait été bien. 10, même moi, il faut que je cours et que je... C'est la merde. Ça étale pas assez de peinture. Puis peut-être que t'as tendance un peu trop à tirer. Là, je pense que c'est rattrapable avec une peinture de qualité et minimum du 12, voire du 13 mm en rouleau. Pour là, la peinture était bonne, là, pour ouais. Ça. C'est nous qu'on a foiré un peu. Là-bas, c'était pas comme ça. Il y avait tout un couloir là. Ça, c'était deux pièces différentes, donc j'ai tout pété. J'ai arraché le plafond, j'ai refait tout de zéro. Il y a eu du gros œuvre. Ouais. L'ouverture derrière toi pour accéder au garage, elle n'y était pas. J'ai dû arracher des endroits du placo aussi. J'avais un dégât des eaux là, un autre dans la chambre. Coup fait dans la chambre, tu verras la réparation, clairement. J'ai commencé par une chapine hydrite. J'ai fait faire ça, c'est le seul truc que j'ai fait faire. Il y avait fait carrelage dégueulasse par terre et sur les murs. Je l'ai juste ratissé vite fait parce que c'était le dernier aussi, j'en avais marre. Ouais, après là, t'es parti sur une peinture satinée, du coup, ça fait ressortir. Ouais, ça ressort, t'as tous les défauts qui ressortent. Les couleurs et tout, c'est vous êtes inspiré par quoi? C'est ma femme qui... C'est inspiré avec quoi? Avec son... Ouais, de rien, avec son cerveau, ouais. Ah oui, d'accord. Je pensais qu'elle allait regarder genre des émissions, de télé, des magazines... Elle aime la peinture, c'est elle qui a fait ça. Ah oui, elle est peintre artistique, quoi. Ouais, ouais. D'accord. C'est elle qui a fait les montgolfières dans la chambre de la petite aussi. Ah. C'était un deal à la base, la déco, c'est son truc. Ouais. Et moi, j'ai des droits de veto. Ah. Et toi, mais t'es un exécutant, c'est plus que... Plus un exécutant. Après, j'ai un droit de veto, elle trouve que je m'en sers beaucoup trop. Ah. C'est vrai. En fait, c'était, ouais, l'idée, c'est vu qu'on avait fait un grand espace, tout est quand même compartimenté, tu sais, l'espace cuisine et... Oui, c'était comment ici? Tout était en papier peint? Non, juste là, c'était l'ancienne cuisine. Là, déjà, comme t'as pas de recul, t'as l'impression que le plafond est parfait, là. Ah ouais? Ouais, ouais. Bah alors c'est bon alors. Bravo. C'est ici que j'ai eu le dégât des eaux là. Mais c'est quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté comme ça en fait. Là, c'est une année 50 la maison je crois. Tu disais pas mal de scotch peut-être, non? Là, ouais. Bah ça c'est plus sa partie à elle du coup. Ah c'est, ta femme est entrée. Ça te dérange pas d'être fumée donc? D'être une star après, t'en fous. Donc c'est quoi ton petit prénom propre? Lisa. Salut Lisa. Salut. Comment que ça va bien? Ça va bien. Tout ça tu t'es inspiré de quoi? Des comme ça. D'images que j'ai vues sur... Ouais, des magazines, des trucs comme ça. Oui. Bah, plutôt Pinterest. Ah oui, d'accord. Vous avez climatisé, c'est bien. Ouais, bah c'est le premier truc qui a été fait ici. C'était en chantier, il y avait de la poussière partout, mais j'avais le chauffage et le froid. Tu as une belle chevelure, dis donc. Tu as vu? Ça doit boucher un peu souvent les... le siphon, ça. Ouais, mais ça va, il est neuf. Ça, c'est très sympa, vu qu'elle est petite, vous avez coupé le... Oh, on l'a coupé en deux. En deux et... Pas la petite, hein. Ouais. Là, celui-là surtout, tu sais, c'était une espèce de granuleux. Ouais, ah oui, fait... c'est une espèce de crépi ou je sais pas quoi. J'ai passé 3 semaines à enduire, ratisser, poncer, tout. Qu'est-ce que t'as pas aimé, Vert, dans tout ça? Le nettoyage. T'habitais avant d'emménager? Non, on habitait chez mes parents, du coup, c'est pour ça qu'on s'est pressé pour la fin. Ouais, et t'as combien de temps les travaux à peu près? On a commencé la mi-août dernier. Après l'attaquage des finitions, j'ai commencé à... L'attaquation, hein. L'attaquation. Que... L'attaquation des finitions, j'ai fait en février, on commençait à voir que ça remontait. Ouais. Après, je travaillais le midi, oui, le plus, soir et le week-end. Pendant ce temps-là, quoi. Ah oui, c'était en plus de mon job. C'était pas facile tous les jours, ouais. Et un truc que t'as aimé? Je sais pas. Ça voir la fin. En fait, la peinture, c'était vraiment ma femme. D'accord. C'est vraiment sa partie à elle. Parce que, sauf les plafonds, elle aimait pas, donc c'est moi qui faisais à la perche. Ça te dérange pas la perche? Ça va, j'en prends plein la gueule, mais... Là, c'est là que j'ai vu qu'il fallait faire comme ça, sur un truc à toi. Après, elle faisait tout à l'escabeau, monter, descendre. Attends, on va lui poser les questions. Bah après, c'est le salon, on a fait à plusieurs. Ouais, et qu'est-ce que t'as aimé dans tout ce qui est peinture, tout ça? Qu'est-ce que j'ai détesté, plutôt? Aimé, qu'est-ce que j'ai aimé? J'aime bien appliquer la couleur. J'adore appliquer la couleur, ouais. C'est satisfaisant. Parce que, ah non, c'est vraiment toujours pareil comme ton... Le résultat. C'est le résultat, quoi. Ouais. Oui, parce que en vrai, c'est parce que je préfère carreler que peindre, en fait. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que t'as pas aimé? Les plafonds, ça me rend dingue. Je sais jamais si je dois aller au rouleau, ça fait des traces dégueu, ou après, si tu vas au pinceau, ça fait quand même... Non, je sais pas, je suis pas à l'aise avec les plafonds. D'accord. Ouais, il y a des vidéos que j'ai vues trop tard. Ouais. Dommage. Tu penses à quoi? Je pense à une partie du ratissage, l'utilisation de la girafe aussi.
Ouais, j'ai acheté une girafe exprès. Tu l'as acheté, tu l'as, t'aurais pu la louer. Vu que je faisais un peu tous les midis, un peu tous les soirs, il fallait sur la longueur. Donc là, je vais la revendre, c'est fini. Bah ouais, c'est fait un autre. Bah voilà, si on passe une annonce, si jamais. Ouais, bah ça part pas. Bon, comment tu le trouves, cette peinture en vrai? Ça va? Ça va. Il n'ose pas dire, ouais. Non, il va mieux, il va mieux, on dirait qu'il a maigri un petit peu. Mais il est barbu, quoi. Bon, en attendant, merci de m'avoir invité. Mais avec un grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et puis moi, je vais aller voir mes autres abonnés parce que. Je commence à me faire chier ici. C'est un micro. Non, ça enregistre. Je flippe, hein, tu sais, je suis toute. Ça me fait drôle, je souris bêtement. Hein. Ouais, c'est jamais... con, hein, non. C'est la vidéo qui m'impressionne. Ah ouais, non, mais c'est ce que j'allais te dire, tu t'es vraiment un sourire con. Oui, hein. Parce que je vois là. Mon outil de travail là qui. Gentil. Elle va grand pas. Elle va pas déjeuner. Tu te sens quoi? Stressé, c'est mais bizarre. Attends, ça va, je suis pas une star non plus. Oh. Si, c'est ça. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit pelleteur. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.